Cinema vérité is a French bullshit term. Le cinéma vérité est une connerie inventée par les Français. C'est tout à fait typique de ces concepts pompeux français. Ça veut absolument rien dire. Frédéric Wiseman, c'est plus de 55 ans de carrière et un nombre de films incroyable. C'est un monstre du documentaire, plus encore pour la qualité de ses films que pour la quantité. Le plus grand documentariste contemporain, Frédéric Wiseman, 93 ans, 46 films depuis Titicut Follies en 67. Il fait un cinéma brut basé sur une observation très fine et personnelle de la réalité. Il est considéré comme un pilier de ce que certains appellent le cinéma vérité. Je vais vous faire une confidence. Ce sont les films de Wiseman, ainsi que d'autres catalogués cinéma vérité, qui m'ont donné le goût de ce métier. Je me rappelle m'être dit en les voyant « Waouh, c'est exactement ça que je veux faire ». Alors, pourquoi cet homme, considéré comme l'un des plus grands documentaristes et dont j'apprécie tant le travail, accorde si peu de crédit à cette terminologie qui définit pourtant exactement le type de film que je veux faire ? J'ai voulu comprendre. Le Graal pour le cinéma vérité, c'est de parvenir à capter la vie sur le vif pour en transmettre la substantifique vérité. Ok, c'est un peu pompeux dit comme ça. Disons simplement que c'est un cinéma qui essaye d'être en prise directe avec la réalité. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le cinéma direct. Le cinéma direct non plus. Je sais pas ce que ça veut dire. J'imagine que ça veut dire sans mise en scène des événements. Mais autant le dire comme ça alors. Ok, merci Fred, mais sans mise en scène, ça veut dire quoi quand on parle de documentaire ? Dans son premier film, Titicut Follies, en 1967, et jusqu'à son dernier, Menu Plaisir, en 2023, la méthode de Wiseman est toujours la même. La feuille d'or, elle vient comme elle vient. T'as vu, là, il y a de l'air dans la cuisine, elle a virevolté, faut qu'elle soit vivante, quoi. Premièrement, le refus d'utiliser tous les artifices de la palette du cinéaste. Par exemple, pas de commentaires en voix off, pas d'interview, pas de musique additionnelle. Vous savez, ces musiques d'ambiance qu'on rajoute au montage. Deuxièmement, la volonté de ne jamais intervenir pour quelque raison que ce soit. Je peux affirmer sans trop de risque que Wiseman ne demande jamais à refaire une action, soit parce qu'il l'aurait loupée à la caméra ou qu'il veut la filmer dans un autre axe. Ce mode de capture à l'instant T fait partie de la vie. Et donc, fait partie du film. Allez, 6 asperges, 3 fois 2. Oui. Allez, on enchaîne la carte derrière, s'il vous plaît. On la met là, ici. Troisièmement, et c'est le cœur de la méthode, Wiseman cherche de façon obsessionnelle à placer le spectateur au cœur de la scène qu'il filme. On ne se contente pas de voir la scène, mais on a l'impression d'y être, voire même d'y participer. Quand ça fonctionne, ça amène le spectateur dans l'événement. Il est au centre de chaque séquence et donc au centre du film. Cette scène est emblématique de la méthode Wiseman. Des plans serrés, pas de commentaires, pas de musique. Et, au final, un film coup de poing. Ainsi, l'art du documentaire, c'est de rentrer en immersion dans la réalité, qui est par nature fugace, pour l'immortaliser avec le plus d'authenticité possible. Le problème, c'est qu'en faisant cela, le documentariste se retrouve face à un dilemme insoluble. Ostatnio mam wrażenie, że robię coraz bardziej filmy o tym, co właściwie ludzie mają w środku, o tym, czego właściwie nie pokazują na zewnątrz nikomu. Oczywiście, żeby to sfotografować, muszę mieć aktora, łzy z gliceryny, sztuczną śmierć. Wszystko musi być sztuczne, żeby na ekranie wyglądało prawdziwe, ale tylko przy pomocy sztucznych rekwizytów i sztucznych rzeczy mogę to ożywić. Le cinéaste polonais Krzysztof Kieślowski a réalisé beaucoup de films documentaires avant de s'adonner exclusivement à la fiction. Précisément parce qu'il voulait montrer la vie dans ce qu'elle a de plus authentique et de plus intime.
Il a compris qu'il ne parviendrait jamais, avec le documentaire, à capter de façon authentique les relations entre les gens. Tout simplement parce que la présence même de la caméra modifie la nature de ces relations. Coraz to lepiej rozumiałem w miarę upływu lat, że to jest pułapka, z której po prostu nie można się wydostać. Że nie można wejść ludziom z kamerą do sypialni, kiedy się kochają. Ponieważ w ten sposób nie są już sami, a warunkiem miłości jest bycie we dwoje, a nie we troje z kamerą. Si la présence de la caméra modifie la réalité, alors pourquoi ne pas filmer en caméra cachée? D'abord parce que c'est contraire à la loi. Imaginez filmer à son insu un couple faisant l'amour. Bon. Mais aussi pour des raisons éthiques, en fait. Ce qui entraîne inévitablement pour le cinéaste une forme d'autocensure. To jest dużo ciekawsze w życiu naprawdę. Ale filmować tego naprawdę po prostu nie wolno. Dlatego uciekłem z dokumentu. Filmer la réalité est interdit. Enfin, en tout cas, certains pans de la réalité, qui du coup échappent au documentaire. Mais il y a quand même toutes les autres facettes de la réalité qui restent à la portée du documentariste. De tous les genres du cinéma, le documentaire est sans conteste celui qui permet de capturer le réel le plus fidèlement. Quand le peintre René Magritte fait ça, c'est bien sûr de la provocation, mais c'est surtout une invitation à réfléchir au sens des images, en disant « ceci n'est pas une pipe, mais c'est l'image d'une pipe ». Si j'étais Magritte aujourd'hui, je ne ferais pas de tableau. Je ferais ce qu'on appelle une installation artistique. Je mettrais en scène un dispositif où il y aurait une caméra en train de filmer une pipe. Ah non, désolé, j'ai pas de pipe, mais une pomme, ça marche aussi. Et puis il y aurait une télé qui diffuserait l'image de la pomme avec une étiquette. Cela semble être la même chose que le tableau de Magritte, mais pas tout à fait. Magritte nous montre un constat. Là où mon installation révèle le processus de captation de la réalité. Même si au final le résultat est similaire, la démarche est différente. Elle interroge le rapport entre la réalité et sa représentation. Par exemple, regardez ces deux images. Celle qui correspond à la réalité est à gauche, n'est-ce pas? Potentiellement, oui. Mais voilà que soudainement, j'ai un petit creux et je croque dans la pomme. À présent, laquelle de ces deux images représente la réalité? Ces deux images correspondent à deux réalités qui ont bien existé, puisque je les ai filmées. Deux réalités à deux instants T. Quelle est la bonne? Comme la réalité s'inscrit dans un espace-temps, elle se remet en question elle-même à chaque instant. Ce qui était vrai la seconde d'avant ne l'est peut-être plus là à l'instant présent. Pire, lorsque le film sera diffusé, il est certain que la réalité aura changé. Comment gérer cette versatilité de la réalité quand on veut la capturer? J'ai essayé de trouver une réponse scientifique à cette question, inspirée par le très regretté Hubert Reeves. La physique quantique est la science la plus précise qu'il y a aujourd'hui. C'est le chef-d'œuvre des sciences qui peut décrire la réalité avec une précision supérieure à une partie dans un milliard. Et là, j'ai découvert quelque chose de vraiment étonnant. La physique quantique. Elle m'a appris l'impensable. La réalité n'est pas celle que nous percevons. C'est un petit peu difficile à comprendre dit comme ça. Alors prenons un exemple. Vous êtes d'accord que cette orange existe et qu'elle est donc de couleur orange? Eh bien, ces oranges n'existent pas telles que nous pensons qu'elles existent. Pourtant, cette orange-là, elle est bien dans ma main. Je la touche. C'est la preuve qu'elle est réelle. Le toucher et la sensation de solidité n'existent pas réellement. Alors, qu'est-ce qui existe? Ce qui existe, ce sont des ondes, de la lumière, de l'énergie, du rayonnement. Autant de termes qui désignent un même phénomène, c'est la force électromagnétique, l'une des quatre forces de l'univers. La réalité est une construction de notre cerveau. Il convertit des ondes électromagnétiques en quelque chose qui nous est utile, exploitable. Comme par exemple, faire une distinction entre les couleurs. L'onde électromagnétique va venir rebondir sur ce fruit, et puis parvenir à mes yeux. Cette onde va être
interprété, encodé par mon cerveau. Et puis là, mon cerveau va décider que cette onde-là, c'est la couleur orange. La couleur n'est rien d'autre qu'une création issue du câblage de mon cortex. Et comme nous sommes tous plus ou moins câblés de la même manière, eh bien, nous allons tous décider que cette onde-là, c'est ce que nous appelons la couleur orange. Autre traduction de ces ondes, être capable de toucher un objet, de le saisir, d'en apprécier la matière. Lorsque je touche cet orange avec mon doigt, ce sont les électrons de charge négative des atomes de mon doigt qui repoussent les électrons de charge négative des atomes de cet orange, et inversement. Ce principe de rendre intelligible pour l'esprit humain quelque chose qui ne l'est pas naturellement, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Le fonctionnement d'un ordinateur. Lorsque l'on pénètre à l'intérieur d'un ordinateur, en fait, on s'aperçoit que ce n'est rien d'autre qu'une machine qui fabrique des signaux électriques à partir de 0 et de 1 et qui les aiguille vers différents circuits, et tout cela grâce à des interrupteurs, vous allez voir. L'ordinateur transforme du code en une représentation graphique compréhensible par l'humain. De là à dire qu'il simule une réalité. Yeah, you're loving the simulation. It will be at some point indistinguishable from reality. Je ne vais pas expliquer ici en détail ce qu'est la théorie de la simulation. Si ça vous intéresse, c'est extrêmement documenté sur Internet. Renseignez-vous. Mais sachez que ce n'est pas une théorie nouvelle. En 2003, le philosophe Nick Bostrom a publié un article dans lequel il avance l'argument qu'il y aurait une chance sur trois que nous soyons l'objet d'une simulation informatique, un peu comme dans un jeu vidéo. Il y a donc une chance sur trois que notre réalité n'existe pas vraiment. Une sur trois, c'est pas négligeable. Cependant, ça fait aussi deux chances sur trois que nous ne soyons pas dans une simulation. Ouf, il est donc raisonnable de considérer que notre réalité est bien là. Je dirais, elle est même tellement là qu'elle existe en double. Et ça, c'est encore la physique quantique qui nous le dit. Si les lois de la physique quantique telles qu'on les connaît sont valides, Schrödinger, avec son équation, dit qu'il y a là-dedans un chat à la fois mort et vivant. Je vous propose qu'on vérifie tout de suite. Rassurez-vous, le chat va bien. Bien. Ah. Déjà, il n'est pas mort. Bon, revenons à nos moutons. C'est bien d'univers parallèles dont on nous parle là. Selon la physique quantique, il existe deux états à toute chose, un état où le chat est vivant et un état où le chat est mort. La question, c'est, il est passé où, le chat mort ? Les scientifiques du monde entier ont cherché le chat mort pendant 20 ans. Comme souvent, il était juste sous leur nez. Au moment où j'ai ouvert la boîte, les deux chats étaient dedans avant, et au moment où je l'ai ouvert, notre univers tout entier s'est scindé en deux. Dans un des deux, celui dans lequel on vivait nous, le chat était vivant. Dans l'autre, le chat était mort. Cet univers-là, c'est un univers parallèle au nôtre qui va vivre sa vie ad vitam aeternam. Réalité simulée, monde parallèle. Ok, la réalité est donc multiple. Mais en fait, on s'en fout. On est tous dans la même réalité. La réalité que je perçois, les autres la perçoivent aussi, la même. Si la réalité existe de la même manière pour tous, je peux donc la filmer. Basta, on clôt le débat. Sauf que ce n'est pas vrai. Tout le monde ne perçoit pas la réalité de la même manière. Si nous étions tous daltoniens, eh bien, la tenue rouge du Père Noël ressemblerait à ceci. 2 670 000 Français sont daltoniens. Pour eux, la réalité est différente. Quand la plupart des gens voient ça, les daltoniens voient ça. Leur réalité est-elle moins juste pour autant ? Vous avez ici un miroir, derrière, et il vient positionner des objets qu'il a fabriqués. Notre perception est une interprétation faite par notre cerveau à partir d'informations sensorielles. On constate facilement avec les illusions d'optique qui renvoient des informations contradictoires, ce qui oblige notre cerveau à revoir sa copie. Tout comme les intelligences artificielles, vous savez, les fameuses IA, le cerveau fonde ses interprétations sur une base de connaissances, laquelle est alimentée par notre éducation, notre culture, notre vécu, etc. Elle est donc vouée à évoluer sans cesse. Quand les frères Lumière ont projeté ce film la première fois, le public découvrait l'image animée. C'est le premier film qu'ils voyaient.
comment pensez-vous que les gens ont réagi dans la salle? Ils ont fui. Pour eux, le train était réel et ils fonçaient droit sur eux. Aujourd'hui, le cinéma est en 3D, augmentant encore la sensation de réalisme, et pourtant les spectateurs restent tranquillement assis dans leur fauteuil, parce qu'ils ont appris. Ils ont appris que ce n'est pas la réalité. Contrairement à ce que l'on croit communément, voir et percevoir, cela n'est pas inné. On a l'impression que voir, ça nous est donné. On a l'impression que c'est un donné définitif et qu'on voit le monde tel qu'il est, immédiatement, on ouvre les yeux et on voit les choses. Ça paraît tellement simple. Et en fait, c'est extrêmement compliqué et c'est quelque chose qui demande à être développé, à être appris. Et donc, comme on apprend, et qu'on n'apprend pas tous de la même façon, et qu'on ne voit pas tous les mêmes choses, on n'apprend pas tous la même chose non plus. La réalité est multiple. Elle peut être simulée, elle est obligatoirement interprétée. Au final, elle est insaisissable. Et il s'avère tout bonnement illusoire de vouloir la filmer. Alors, est-ce que je dois laisser ma caméra au placard? Et pourquoi pas devenir pêcheur de poissons fictifs? Laissez vos batteries en charge, vous aurez encore besoin de votre caméra. Et oui, parce que la réalité est insaisissable, c'est vrai, mais c'est tant mieux. Si la réalité était unique, si elle était la résultante de lois physiques déterminées, c'est comme ça et pas autrement, quoi qu'il arrive, eh bien, tout le monde ferait les mêmes images et tout le monde raconterait les mêmes histoires. Nous serions contraints, en tant que cinéastes, de rendre compte de toujours la même réalité. Et ça, personne n'en veut. Ce serait particulièrement rébarbatif. Ce serait chiant, quoi. Alors, savez-vous ce qui fait vivre le réel? Qu'est-ce qui rend le documentaire si passionnant? C'est le hasard. Il est évident que si tout ne dépendait que du hasard, il n'y aurait pas d'organisation. Mais si tout dépendait des lois, ce serait la monotonie totale, parce qu'on aurait toujours la même chose qui se recommencerait. Nous savons par expérience que ça n'est pas le cas. La nature joue sur les deux tableaux. Elle utilise à la fois la loi, c'est organisé, la matière est organisée, et à la fois le hasard, il reste une certaine variété qui n'est pas dû aux lois, qui n'est pas déterminée, et c'est la racine de la liberté et de la créativité. Tous les documentaristes débutants, et les autres aussi, hein, soyons honnêtes, sont terrifiés par le hasard. Ils sont tétanisés par le fait de ne pas savoir ce qui va se passer au moment du tournage. Vous, ben vous savez maintenant que c'est précisément là que se trouve leur salut. C'est le hasard qui va leur permettre d'être libres et créatifs. Alors, lorsque vous travaillez sur votre projet de film documentaire, faites en sorte de vous préparer à filmer le hasard plutôt que la réalité. Transformez la peur de rater la réalité en l'excitation de découvrir ce que propose le hasard, parce que là, les possibilités sont infinies. Si le documentaire vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur la réalisation de documentaires, regardez dans la description de la vidéo, il y a plein de petites choses qui pourraient vous être utiles. Allez faire un tour sur mon site. Et puis sinon, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.